la crève. Il peut arriver d'avoir la crève. Bon, pour ceux qui suivent, c'est la troisième partie du stream sur Battlefront. Donc allez, c'est parti. Carrière. Let's go. Par info, la connexion. Viens après. Les chasseurs, commencez l'assaut. Lando, vous ne pouviez pas mieux tomber. Ici la princesse Leia Organa, en formation sur ma position. Lando, protège la princesse. On se charge des satellites cendres. Je suis derrière vous. Oh, mais j'en doute pas. Seulement si l'un d'entre vous tente un truc, je la... Ah ouais, d'accord, je croyais que c'était un bug. Vous pensez vraiment y arriver? On ne m'appelle pas Leader Danger pour rien. Je détecte une signature thermique sous les satellites centraux. Ça doit être le noyau d'énergie thermique. Alors c'est là qu'il faut concentrer nos cibles. Ah, attention! La voir, il y a une tourelle sur certains de ces satellites. Ah, c'est chaud. Ouais, c'était un bug, c'est pas un bug en fait. Danger 5, satellite abattu. Il nous en reste plein d'autres. Allez, en avant! Plus vite on détruira les autres satellites, plus vite Steve sera en sécurité. Entendu, princesse. Danger 5, Danger 6, n'oubliez pas que vous visez des chasseurs TIE maintenant. Bien sûr. Merci de nous le rappeler. Sur votre position, leader Danger. Ouais, on est avec vous, Shrift. Très bien. On va rappeler à l'Empire à qui il a affaire. Joli tir, commandant. Oh, oh! Elle n'est pas commandant dans mon unité. Wouah, frais. Thank you.
Crew est déjà un peu plus sûr. On fait ce qu'on peut. Ah non, les boules. Putain. Tiens, pète. Des donuts. Ah, c'est ça, des donuts. Quand on aura détruit ces satellites, notre vaisseau amiral pourra abattre le destroyer. Vous savez quoi faire? Encore un satellite de moi! Éloignez-vous de ce destroyer! Ces canons traversent nos boucliers! Le plus judicieux serait de commencer par détruire les systèmes de défense. Bien sûr! Boom!
Chasseur TIE en approche. Détruisons-les. Vous pouvez attaquer. Tous les autres, repliez-vous. Je suis le seul à voir ce destroyer stellaire brûler. Le protocole impérial est de se mettre à l'abri dans un endroit sûr. Ces vaisseaux se dirigent droit sur Tide. Ils vont s'en prendre à la ville. Quelqu'un sait y faire avec les machines? Oui, moi. Suivez-moi. Tid a un système de défense. Ce système nous permettrait d'arrêter l'Empire. Mais la tempête a endommagé les relais d'alimentation de la ville. Nous devons les réparer pour pouvoir l'activer. On va se séparer, puis réparer les relais. Quand on aura fini, on se retrouvera au palais. Compris? Ouais. Compris. Est-ce que nous activons? Quelque chose qui arrêtera l'Empire. Quel est votre nom, soldat? Del Nico. Del, les renforts impériaux convergent vers vous. On peut les arrêter, mais il faut que vous réactiviez ce relais. À vos ordres. Sécurisez la zone. Cet endroit doit être sûr. Entendu, princesse. Entendu. Restez là. Je nous protège.
Éliminez-les. Faites les sortir de là. Zone sécurisée. Ça nous laissera un peu de temps. Del, vous pouvez réparer le relais? J'étais ingénieur sur les vaisseaux amiraux. Ça devrait être facile. Mettez-vous au travail, on vous couvre. À vos ordres. On vient de remettre un relais en état de marche. Enfin, moi, je l'ai remis en état. Elle, elle s'occupait des stormtroopers. On se dirige vers le deuxième relais. On reste en contact. Venez ici!
13. J'ai besoin de protection. Rétablit le réseau, Tid ne pourra pas arrêter leur vie. Marcheur ennemi, j'ai besoin d'un bombardier sur ma position, vite! Affirmatif, Altesse. Mettez-vous à couvert. Ionique lancée. Bien sûr, princesse. Ah, voilà. Ça commence à prendre forme. Allez.
Non. Attendez. Les boucliers en place. Attendez, ça devrait marcher. J'ai besoin de tirs de couverture. Pas facile. Bon. Bouclier.
ça avance. Les protocoles de sécurité sont étonnamment complexes et obsolètes. On gagnera du temps, mais pas beaucoup. Ne vous en faites pas, princesse. Ça suffira. Électrique. Vous avez fait du beau travail, mais je ne l'attendais pas moi de la part de l'escouade Inferno. Donc, vous avez parlé au général Calrissian. Vous savez que vous avez causé beaucoup de tort à notre alliance. C'est exact, Altesse. Et nous n'avons aucune excuse. Quand on vous regarde combattre, il est évident que vous ne fuyez pas que l'Empire. Tout cela vous importe beaucoup. Oui, c'est vrai. Nous avons combattu toute notre vie durant. Mais il nous a fallu bien trop longtemps pour comprendre qu'on luttait du mauvais côté. Eh ouais. Cette guerre est loin d'être terminée. Nous aimerions lutter à vos côtés, si vous le voulez bien. Le monde n'a pas compris ça. Vous savez que grâce à vous et à vos semblables, l'espoir peut triompher. D'autant que c'est grâce à l'espoir que nous gagnerons. Bienvenue dans la Nouvelle République. Merci, Altesse. Sénatrice Organa, ça faisait longtemps. Bâtir une république, c'est beaucoup de travail. Tout comme traquer sans relâche une flotte impériale. Et ça ne va pas s'arranger, commandant. J'ai besoin de vous. Un de nos généraux a disparu. J'ai retrouvé sa trace sur Takodana, mais il ne répond à aucun de mes appels. J'aimerais que vous retrouviez Han Solo. Moi une autre partie, Lansling. Ça, tant que tu m'auras pas payé celle que tu viens de boire. Allez, tu me connais depuis le temps. Justement, c'est pour ça que je me méfie. Où est mon bouquet? Chewie répare le faucon. Le communicateur longue portée a pris un sacré coup sur Joe Mark. Ça fait un bon bout de temps qu'il n'est pas venu ici. C'est parce que tu le rends nerveux. Je sais que vous préparez quelque chose tous les deux. Dis-moi ce que c'est. Tu sais très bien que toutes les affaires passent par. Je dois rencontrer un ancien impérial. Il dit qu'il peut nous aider à libérer les Wookiees sur Kashyyyk. Tu connais cet homme ? Fais
Fais attention. Si jamais à cause de toi l'Empire est attiré devant ma porte... T'en fais pas, tu sais que je couvre toujours mes traces. Allez, quoi, accepte de me donner un coup de main. Fais ça pour Joey. Je ne connais pas cet homme. Mais il est tard. Et tu vas voir que ma clientèle peut parfois être assez bavarde. Merci, Maz. Je t'en dois une, tu sais. Tu m'en dois bien plus que ça, Han Solo. Surtout, tâche de ne pas l'oublier. La République n'en a rien à faire de toi. Pas plus que l'Empire. Alors choisis bien. Il n'y a qu'un seul camp. Le tien. Roddy, content de te voir. Écoute, mon vieux, je recherche un ami, un certain Paldora. Tu peux m'aider? Après que tu m'as laissé en plan pendant la mission Zerka, pas question. Allez, tout s'est bien terminé. Enfin, je pense, vu que t'es là. Dégage. T'as qu'à trouver Paldora tout seul. Vous pourrez comparer la taille de vos barbes. Ah, donc il est barbu. Compris. Ma piste surtout là, mais je tâcherai de m'en souvenir. Merci. Si la rumeur au sujet de Rylo est vraie, je le reverrai. C'est étrange, tu ressembles à un ami à moi. Il s'appelle Paldora. Tu me confonds avec cet abruti qui boit du Merenzan Gold. Il a quoi se payer un verre de Merenzan Gold? Ouais, ça fait envie, pas vrai? Il était énorme. Un 32 chats. Non, pas avec moi. Maz et moi, on se connaît depuis longtemps. Mon père et elle pillaient des épaves de vaisseaux. Des fois, je les ai accompagnés. Mais je vous jure, vous ne me croyez pas? Trace ta route. Je peux vous fournir toute la laine de Mouniac que vous voulez. Mais est-ce que vous êtes prêts à mettre le prix? C'est juste une course. Si tu veux faire un petit échauffement et le championnat est à toi. Alors, qu'est-ce qui t'amène aussi loin de chez toi? C'est le bon endroit pour se faire oublier. On risque pas de manger un chasseur de plus par là. Alors. Allez, où là? Ah, bah ouais. Et toi, qu'est-ce qui t'appelle? Je viens au château chercher les grands gueules qui disent aux mauvaises personnes qu'elles valent des foutirs. T'es un chasseur de primes? Termine ton verre, on n'aura pas d'autre à rentrer. Ah, faut descendre, d'accord. Vous me vendez le vaisseau, je vous propose et moi, je vous fais pas. C'est ça. Pour commencer la route. Eh, hey, monsieur Paldora, ça faisait longtemps. Mon ami le Wookiee se demandait ce que vous deveniez. Je crois que vous me confondez avec ce... type insupportable à l'étage. Autant pour moi.
Qu'est-ce que je ne donnerais pas pour une autre Meryl Dangold? Le dernier étage. C'est la tour en haut. Vous ne voyez pas ce que je veux dire. Ton droïde, ah ben voilà. N'oublie pas ma commande, s'il te plaît. Une autre Merenzan. Han Solo? Je suis Rassus Paldora, spécialiste impérial. Ravi de vous rencontrer enfin. Chut, pas si fort, enfin. Ah oui, c'est vrai, c'est un rendez-vous incognito. Allez, il faut qu'on vous sorte de là. Alors c'est parti. J'ai les informations que vous vouliez, pas sur moi, bien sûr. J'ai caché deux cubes de données dans les bois. Pardon. Non, mais vous vous fichez de moi. Le premier contient les itinéraires de l'Empire, leur site de ravitaillement, leur cache d'armes secrètes. Un cadeau pour la République, si elle peut garantir ma sécurité. Et pour vos renseignements sur Kashyyyk? Ils sont ailleurs. Faites-moi confiance, j'ai tout ce qu'il vous faut pour libérer les Wookiees. Évidemment, la plupart des statisticiens sont tués par des apprentis. Pour ce coup. Des amis à vous? Laisse-moi deviner, je suppose que c'est ta faute. Ouais, comme d'habitude. Rappelle-moi quelle est ma règle numéro 1, Han Solo. Pas de bagarre. Bon, allez, il faut qu'on bouge. J'ai caché le premier cube de données dans un générateur juste là. Vous pouviez vraiment pas avoir les données sur vous, hein? Monsieur Solo, je suis un agent de vous. Des Stormtroopers. Pas un bruit, on va les neutraliser. Éclatez! Non, ça c'est trop grave. Je vous cacherai. Donnez une question, Han. Super. Allez, Han Solo. Je sais quoi faire. Des explosifs improvisés. Regretter. Comment on fait pour le prendre, merde? Prenez-en de la graine. Je l'ai. Les informations de ce cube de données devraient aider vos amis de la République. Attention, en voilà d'autres. Ne soyez pas non. Mal. Christelle.
tu as des armes lourdes. Je sais quoi faire. Vous devez avoir de bonnes infos pour qu'il s'envoie autant de soldats après vous. La situation de l'Empire est plus grave que vous croyez. Ils ont peur que la République s'en rende compte. La flotte consomme plus de carburant pour éviter vos attaques qu'on ne peut lui en fournir. Un officier impérial sur 148 se rend et demande asile. Le nombre de nos chasseurs a baissé de 3,4%. Super intéressant, mais caché dans tout ça. Vous êtes sûr que vos informations peuvent aider les Wookiees? Je vais vous attendre ici. En toute sécurité. Oui, bon travail, mon nouvel ami. Pas de mal, j'espère démembrer. Un soldat lourdement armé arrive bientôt. À tout le tir. Tout simplement fantastique. J'ai une idée. Informations sur les Wookiees. Je les trouverai. Trouvé. Des renforts. Baissez-vous. Je me baisse. Prendre à tirer, ok? Oui! Ça devrait vous aider à atteindre la planète des Wookiees. À présent, direction votre célèbre faucon. Vous connaissez le faucon? Oui, en moyenne, je dirais que 2,2 impériaux sur 300 connaissent notre famille. Quoi faire? Préparez le vaisseau au décollage. Où est-ce que vous allez?
arrêter. J'ai connu des jours meilleurs. Que je suis content de vous voir. Qu'est-ce qui vous amène, commandant? Oh, général. C'est la sénatrice Sangana qui nous envoie. Je retire ce que j'ai dit, Chewie. C'est le pire jour de toute ma vie. Fois, ce serait bien qu'ils arrêtent d'essayer de nous tuer. Ce serait pas aussi drôle, général. Je me fiche que Masque soit en ligne. Je ne veux pas lui parler pour l'instant. Han Solo. Tiens, salut, Mas. Tu m'as dit que tu pourrais toujours vivre. Et maintenant, il y a des vaisseaux au-dessus de mon lac. Je peux tout t'expliquer. Je mens. Nettoie-moi, ce bâtard. Je sais bien que c'est... pour l'instant. Han Solo. Tiens, salut, Mas. Tu m'as dit que tu pourrais toujours vivre. Et maintenant, il y a des vaisseaux au-dessus de mon lac. Je peux tout t'expliquer. Je mens. Nettoie-moi ce bazar. Je sais bien que ce n'est pas ta faute, Chewbacca. Général, concentrons nos tirs sur ce croiseur. Vous nous suivez? Allez, on va l'envoyer voir le fond du lac. Oh, ça ne va pas du tout plaire à Maz. Escouade Inferno, suivez-moi. Un chasseur ennemi se dirige vers le général Solo. Je le vois. Les torpilles à protons sont armées. Excessif, mais efficace. Thank you.
que Matt soit en ligne. Je ne veux pas lui parler pour l'instant. Han Solo. Tiens, salut Matt. Tu m'as dit que tu couvrais toujours les traces. Et maintenant, il y a des vaisseaux au-dessus de mon lac. Je peux tout t'expliquer. Je m'en fiche. Nettoie-moi ce bazar. Je sais bien que ce n'est pas ta faute, Chewbacca. Général, on entend nos tirs sur ce croiseur, vous me suivez? Allez, on va l'envoyer voir le fond du lac. Oh, ça ne va pas du tout plaire à Maz. Esquad Inferno, suivez-moi! Un chasseur ennemi se dirige vers le général Solo. Je crois que c'est la fatigue. Je fiche que Mas soit en ligne. Je ne veux pas lui parler pour l'instant. Han Solo. Tiens, salut Mas. Tu m'as dit que tu couvrais toujours les traces. Et maintenant, il y a des vaisseaux au-dessus de mon lac. Je peux tout expliquer. Je m'en fiche. Nettoie-moi ce bazar. Je sais bien que ce n'est pas ta faute, Chewbacca. Général, concentrons nos tirs sur ce croiseur. Vous me suivez? Allez, on va l'envoyer voir le fond du lac. Oh, ça ne va pas du tout plaire à Maz. Esquad Inferno, suivez-moi! Un chasseur ennemi se dirige vers le général Solo. Je le vois. Mes torpilles à protons sont armées. Excessif, mais efficace. On ne voit plus beaucoup de croiseurs comme ça dans le coin. Plus depuis l'attaque du chantier naval l'année dernière. Votre cargo YT-1300 est une belle machine, mais son hyperdrive est 1,22 fois moins fiable que celui du modèle 2400. Chewie, fais-le sortir de mon cockpit. Non, attendez, je me tais. Tu ne peux pas te débarrasser de nous aussi facilement.
Elle est à vous, commandant. Non, sérieux, Dale, je sais pas ce que t'as fait à ce droïde, mais y a un truc qui cloche. Je vais réparer, c'est tout. C'est pas ma faute s'il t'aime bien maintenant. Escouade Inferno. Shreve, on ne s'est pas revu depuis que Lando vous a confié cette mission. Vous allez bien? À merveille, sénatrice. Vous vouliez me parler, commandant? D'après les informations de Paldora, il faut croire que mon père aurait mené des opérations sur Bespin et Sulust. Je vous demande la permission de le traquer ainsi que de l'arrêter. Vous n'êtes pas sous mes ordres, Dale. Il est fort probable que le commandement désapprouve une mission à caractère personnel. Ah, eh bien... On ne peut pas laisser un amiral impérial renforcer sa flotte, n'est-ce pas? J'apprécierais que vous l'arrêtiez, commandant. Oui, à vos ordres. Et que la force soit avec vous. Sans oublier que Ask pourrait enfin nous permettre de retrouver l'amiral. Si on a de la chance. Ce n'est jamais une simple question de hasard. Wow! Regardez un peu tous ces belles dots. Je trouve ça mignon d'étudier la faune d'une planète avant de la visiter. Et s'ils produisent le gaz Tibana dont l'Empire a besoin, les belles dots sont une priorité. Si vous le dites... Vous savez, si on peut trouver votre père et l'arrêter, ce sera un grand pas vers la fin de la guerre. Je sais que ces derniers mois ont été difficiles, mais nous l'aurons cette fois. Je le sens. Ça, je n'en doute pas. Mais je me demandais ce qui allait se passer après, quand la guerre sera finie. Honnêtement, je n'y ai pas beaucoup réfléchi. L'entraînement impérial ne vaut pas grand-chose dans le secteur civil. Et vous ? Moi, je voudrais voyager, parcourir la galaxie, Lothal, Mikapo. Vous y êtes déjà allé? J'étais soldat à l'époque. J'aimerais revoir ces mondes libres. Je crois que c'est une très bonne idée. Voilà la plateforme d'atterrissage. Ils ne devraient pas repérer nos vaisseaux ici. Dans la tour du protecteur au niveau supérieur. Il va nous falloir un turbolift pour y arriver.
Le droïde a dit qu'il y en avait un. Porté par une escouade de Stormtroopers. Bien, suivez-moi. Comme toujours. Pirate ça, tu veux? Ask dans la tour du protecteur au niveau supérieur. Il va nous falloir un turbolift pour y arriver. Le droïde a dit qu'il y en avait un vent qui par une escouade de Stormtrooper. Bien, suivez-moi. Comme vous voulez. Allez, Del! Couvre-moi! Enfin, on va faire une petite pause. À bientôt, bye!